Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo haul, comme vous avez vu dans le titre. Donc ça sera un haul déco, beauté, random, parce que j'ai pas mal acheté de choses en fait récemment. Comme vous entendez, je suis toujours malade, comme je vous avais dit sur Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vous mets juste ici mon Instagram, il faut me suivre. Oui, oui, il faut me suivre. Non, je rigole. Du coup, on va commencer tout de suite par la déco. Donc, on est allé à Maison du Monde avec Charlie. On vous avait emmené avec nous, je vais y arriver, dans une journée. On vous avait fait un vlog. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets juste ici le lien de la vidéo. Et on s'est pris pas mal de paniers. Donc, j'ai tout mis par terre. J'avais pris ce petit panier-là en premier. Je vous ferai dans tous les cas des close-up des produits de plus près parce que ça sera plus parlant pour vous. Donc j'ai pris ce petit panier là pour Charlie, pour son côté du bureau, parce que comme vous savez on a un grand bureau dans le salon et en fait Charlie avait pas vraiment d'endroit où mettre ses cahiers etc, et il voulait un petit panier. Du coup on a pris celui-ci, je le trouve super joli. Je vous mettrai également le lien des articles en barre d'information parce que j'ai plus les prix. Je crois que c'était il y a environ un mois à peu près qu'on a fait cette journée là. Du coup je vous mets tout en barre d'information, ne vous inquiétez pas. Et je le trouvais super joli, il est sobre mais il est efficace. En plus en ce moment c'est hyper tendance les petits paniers comme ça en genre de fer. Du coup sur le bureau ce sera parfait avec la planche en bois, ça rend super bien. Toujours chez Maison du Monde, je suis désolée, je récupère ce petit plateau là que j'adore. Donc Charlie m'a dit pourquoi t'as pris ça, parce que c'est pas du tout dans tes couleurs habituellement. Mais en fait je voulais le mettre sur le bureau avec une bonbonnière qu'on a, que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est une bonbonnière qui est comme ça, dedans j'ai mis des petites boules lumineuses en fait en osier. Avec il y a une petite pile en fait juste ici. Et je trouvais que ça faisait joli de poser ça dessus. Et en plus de ça, si je filme des vidéos make-up etc, je mets tout ce que je vais utiliser là-dedans. Ça organise un petit peu plus, même si je suis bordélique, ça on peut le dire. Du coup celui-ci, ah ben, y a toujours le prix derrière, je l'ai pas enlevé. Je l'ai payé 8,99€, enfin on l'a payé 8,99€. C'est un verre. Il rendra pas vraiment bien en fait à la caméra, parce qu'en plus je filme en lumière artificielle. Donc c'est un verre, franchement il est super joli, j'aime beaucoup les détails en fait sur le côté et je regrette pas du tout mon achat. Je me suis pris un autre panier, donc celui-ci c'est pour mon côté du bureau. Donc j'ai laissé les affaires à l'intérieur comme vous pouvez voir, au moins vous pourrez voir ce que ça donne. Il est très grand, très haut on va dire. Il est doré, je le trouve trop beau, j'adore. Je voulais un panier comme ça en fait pour mettre tout ce qui est agenda, cahier, ou même ce que je mets aussi c'est mon appareil photo de vlog, ma petite perche et mes lunettes. Et ma batterie en fait, ma batterie externe pour recharger mon téléphone. Et ça rend super bien avec le mur blanc, c'est juste super joli. Celui-ci je l'ai payé un petit peu plus cher je crois. Après Maison du Monde, c'est vrai qu'on peut faire des super affaires je trouve. Il faut y aller régulièrement parce que ce même jour on cherchait un meuble de télé. On en a vu un à Ikea qui nous plaisait à peu près, mais bon c'était pas non plus la folie. Et il était à 80€, un truc comme ça. C'était un meuble un petit peu casier, on le voulait blanc, mais j'aurais préféré blanc un peu vieilli. Là c'était vraiment blanc laqué et je déteste ça, les trucs laqués, c'est pas du tout ce que j'aime. J'ai pas envie d'avoir ça dans mon intérieur. Du coup on est à la Maison du Monde juste un petit peu pour voir. Et là j'ai vu un meuble de télé à 90€, donc 10€ plus cher, mais en bois vieilli, enfin tout ce que j'aime. Du coup je pense qu'on va se prendre celui-ci, parce que là le meuble télé qu'on a c'est juste une catastrophe. Il est tellement vieux, il y a, vu que c'est du composite, il y a tout qui s'arrache. Enfin bon bref, tout ça pour dire que vous pouvez faire des petites affaires en fait assez sympas, mais des fois c'est quand même relativement cher. Donc celui-ci par contre je crois que je l'avais payé 15€ ou 20€, un truc comme ça. Donc c'est quand même un peu cher pour un panier, mais il est super joli sur mon bureau, du coup je regrette pas du tout mon achat. Après j'arrête avec les paniers de vous saouler, je me suis pris celui-ci. Donc c'est un panier en fait, je pense que c'est plus un bout de canapé ou... ouais on va dire ça comme ça, vous mettez des coussins etc. Moi ce que j'ai fait c'est que j'avais un plaid Alinéa qui est le même en fait qu'on a sur le canapé, on l'a en deux fois. Et je le mets à l'intérieur, je laisse un petit peu comme vous allez voir sur le close-up pendre en fait du panier. Et je trouve que ça fait super joli. Donc là vous avez une petite planche en bois, je sais pas si vous allez bien voir. Vous avez 4 roues dont 2 que vous pouvez en fait
réglée pour pas qu'elle bouge. Et en fait, celui-ci est quand même relativement lourd. Celui-là, par contre, je l'ai payé 35 €. Si je me rappelle bien, si je dis pas de bêtises, c'est quand même cher. Mais je sais pas, j'ai eu un coup de cœur. Je le trouvais juste trop beau. Je sais pas, j'ai adoré. J'ai adoré, du coup, ben j'ai pas hésité vu que j'avais les finances pour. J'ai pas hésité. Et pour finir, chez Maison du Monde, je me suis pris ça. Donc c'est une toute petite pochette en plastique en fait, qui se ferme. Et j'ai trouvé ça super pratique pour mettre dans le sac. Charlie pourra vous dire que mon sac, c'est juste une catastrophe. Je garde toujours les tickets de caisse, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et du coup, c'est toujours, on peut le dire, le bordel. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets mon permis, ma carte d'identité, la carte grise de ma voiture, carte vitale, etc. Je mets tout là-dedans, comme ça. Et hop, vous glissez ça dans le sac, les petits tickets de caisse et tout. Je mets tout dedans, au moins, après, ça fait pas bordel. Et après, vous pouvez trier, donc je trouvais ça super pratique. J'ai payé ça 1 €, un truc comme ça, ou 1,50 €. Donc bon, ça va, c'est pas extrêmement cher non plus. Et en plus, il y avait des petites flèches dorées dessus. Je le trouvais joli, du coup, je me suis pas pris. Je pense que je vais attacher mes cheveux parce que, vu que je me suis lavé les cheveux tout à l'heure, il y a beaucoup de volume et ça me gêne. Voilà. Je pense que c'est mieux. Niveau beauté, j'ai reçu de la part d'Octoly et de la marque Huda Beauty un petit kit en fait, parce qu'ils ont lancé, enfin elle a lancé plutôt sa gamme de produits qui est sortie en France chez Sephora il n'y a pas très longtemps. Je pense que vous avez vu pas mal de vidéos à ce sujet sur YouTube. Et du coup, j'ai reçu un petit kit donc avec le liquid matte en teinte bombshell, c'est celui que j'utilise, enfin que j'ai appliqué plutôt aujourd'hui. Il y avait également le crayon toujours de la teinte bombshell que je vais vous montrer. Dans tous les cas, je vais vous faire des close-up des produits. Et je vais vous montrer, je vais vous faire des swatchs aussi. Donc du crayon et du liquid matte. Je vous ai filmé également le make-up en fait que je porte aujourd'hui. C'est le make-up que je porte tous les jours. Je pense que je vous mettrai ce make-up, je pense, la semaine prochaine. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de voir cette vidéo. Du coup, ça, c'est le crayon et le liquid matte. Moi, j'adore. C'est juste pour moi le nude parfait. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il n'assèche pas du tout les lèvres. Moi qui suis malade en plus de ça. En ce moment, j'ai les lèvres hyper sèches, même si je les hydratais tout le temps. Et tout ce qui est melted ou autre rouge à lèvres mat comme les MAC, pour moi, assèche beaucoup trop les lèvres. Et celui-là, pas du tout. J'ai pas du tout l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres. Donc vraiment très très belle découverte. Je suis super contente d'avoir pu découvrir ces produits-là. Et il y avait également dans le kit les fossiles en fait de la marque. Donc c'est la gamme, enfin c'est plutôt les fossiles Harmony 17. Ils sont juste super jolis. Alors par contre, moi les fossiles, je crois que j'en ai appliqué une ou deux fois, c'est pas trop mon truc. Mais j'essaierai de vous faire un make-up un petit peu élaboré pour les fêtes. Comme vous avez vu, je vous ai pas fait de make-up ou de vidéo spéciale Halloween parce que ça m'inspire pas du tout. Je suis pas quelqu'un qui va me déguiser ou quoi, même si je trouve ça fun. Mais j'avais pas vraiment d'idée, donc plutôt que faire quelque chose de bâclé, je me suis dit que j'allais pas en faire. Mais pour les fêtes de Noël, je pense que je vous ferai un make-up avec ces... C'est fossile, je vais y arriver, mais Alizé, c'est pas possible quoi. Du coup, je disais, je vais vous faire un make-up avec ces fossiles-là. Et il y avait également la colle. Donc, celle-là n'est pas encore sortie en France. C'est une colle qui est noire. Donc, c'est super quand vous faites un petit trait noir et que vous avez la colle noire par-dessus. Vous n'avez pas besoin de rajouter en fait du colle ou du crayon. Comme je vous dis, elle n'est pas encore sortie en France. Je pense qu'elle va sortir bientôt. J'essaierai d'écrire à la marque pour savoir exactement quand c'est qu'elle va sortir. Mais en tout cas, vraiment super découverte de ces produits-là. Dans tous les cas, je pense que je serai allée chez Sephora découvrir que ça soit le crayon ou le liquid matte. Ça, j'aurais acheté, c'est sûr. Pour les fossiles et la colle, non, bien évidemment, parce que c'est pas du tout ce que je fais habituellement. Mais même s'ils sont un petit peu chers,
un petit peu chers, même ceux des Kylie Jenner, ils sont chers aussi, mais au final tout le monde en parle et apparemment c'est juste top. Donc du coup, comme vous savez, en plus de ça, chez Sephora vous avez toujours des codes promo, donc bon, je pense que si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un, vous pouvez foncer, parce que enfin moi juste je l'adore depuis que je l'ai, je le porte tout le temps. Comme vous allez voir dans la vidéo make-up que je vous ai fait, j'utilise soit le Catrice de l'Essence, je vais y arriver à liser, enfin c'est une catastrophe cette vidéo, l'Essence ou celui-ci depuis que je l'ai, j'adore, juste j'adore, c'est juste que ce qui me correspond le plus. Après on va passer à cette petite découverte là, donc je pense que cette marque vous avez dû la voir partout sur Instagram, donc c'est la marque Hello Body. J'ai été sceptique en fait quand j'ai vu un masque hydratant sur cheveux secs. Je me suis dit ben, pourquoi pas, donc toujours sur Octoly, hein, je vous cache rien quand je reçois gratuitement les produits. La marque donc précise comme quoi il faut placer le produit dans le frigo et après vous le récupérez, vous le massez. Je vous ai fait des petites vidéos en fait pour vous montrer le processus. Donc vous massez le produit et après vous l'appliquez sur vos cheveux, donc sur les longueurs, et vous laissez poser pendant 30 minutes. Alors pour vous dire la vérité, j'ai reçu le produit il n'y a pas très très longtemps, je l'ai utilisé juste aujourd'hui. Il s'avère que j'avais des cheveux extrêmement secs en fait quand je suis allée à Paris, parce que j'avais oublié ma Michiko, j'avais oublié ma brosse, enfin bon, c'était une catastrophe. Et en fait, ben, je sais pas si c'est l'huile de coco, parce que c'est que des ingrédients naturels, qui a permis d'hydrater sur le moment, parce que j'avais les cheveux très secs et qui a fait un très beau résultat. Je sais pas, dans tous les cas, je vous en parlerai quand j'aurai bien plus testé. Ce qui m'a un peu plus déçu, c'est le contenant, enfin le contenu plutôt, ou le contenant, ouais le contenant plutôt, de seulement 100 ml. Donc il en faut pas beaucoup, parce que vous devez chauffer la matière pour pouvoir l'étaler sur vos cheveux, mais 100 ml sur des cheveux longs et épais comme les miens, je pense que je vais pas l'utiliser trop de fois quoi. Donc je sais pas, à voir. Dans tous les cas je vous en reparlerai, mais là pour une première application, bah, je valide, voilà c'est tout. J'oubliais de préciser, la marque m'a donné un code promo pour vous, je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez tester ce produit là ou un autre de la gamme, enfin de la marque plutôt, vous avez un code promo qui vous permet d'avoir une petite réduction. J'oubliais de vous dire aussi, dans le kit il y avait une brosse, donc une brosse qui ressemble un petit peu, si vous coupez le bas, à une Tangle Teaser. Alors je suis pas très fan de ces brosses là, moi ça m'arrache trop les cheveux et je sais pas, donc je l'ai déjà essayé plusieurs fois, mais j'avais l'impression que ça m'arrachait trop les cheveux. Donc là j'ai les cheveux qui sont démêlés, et encore que je dis ça mais j'ai plein de nœuds. Je sais pas, ça me fait mal en fait. Donc après si vous avez pas beaucoup de nœuds, peut-être que ça sera plus efficace pour vous. Mais en tout cas, vous voyez, le nœud il a du mal à partir. Donc ça, je suis pas trop fan de la brosse. Après bon, c'est pas très grave, parce que je pense que c'est plus un cadeau on va dire quand vous achetez le produit. Mais moi je suis pas trop fan. Voilà. Je vous embête, hein. Ça fait deux fois que je me rattache les cheveux. Ça y est. On finit avec la partie beauté. Enfin, beauté, c'est un soin en fait, mais que je voulais vous faire une vidéo soin vraiment à part entière, parce que j'ai beaucoup moins d'imperfections depuis que je me maquille plus, ou voire très peu. Mais je voulais quand même vous en parler avant de ce soin là. C'est juste une tuerie ce truc. Je l'ai reçu en fait gracieusement de la marque, donc de la marque La Roche-Posay. C'est de la gamme Effaclar. C'est le soin duo plus unifiant. C'est un soin teinté, anti-imperfection, correcteur, désincrustant, anti-marque. Et donc vous avez vu, unifiant et teinté. Donc moi c'est la teinte light. Je l'applique tous les jours en fait, tous les matins après ma crème hydratante. Eux précisent que vous pouvez appliquer uniquement ça. Vous pouvez, moi je sais que j'ai besoin de beaucoup d'hydratation en ce moment, donc j'applique les deux. Et en fait ça m'a enlevé tous les boutons. Enfin c'est un truc de fou, ça fait à peu près pareil que le Clinique Smart Serum que je vous ai parlé de plein de fois en fait depuis le début de ma chaîne. Sauf que le Clinique Smart Serum c'est presque 100 € les 50 ml quoi. Donc bon, c'est un certain budget que je n'ai pas. Alors que là vous pouvez le trouver en pharmacie pour je crois moins de 20 €. Et vraiment j'ai vu une sacrée différence. Donc il y a encore quelques, on va dire quelques traces qu'il faut
faut qu'elle parte en fait, parce que ça fait à peu près un mois et demi que je l'utilise. Là, j'ai eu un petit bouton qui est sorti, donc forcément il faut le temps que ça agisse. Mais c'est juste top quoi, ça va pas du tout avoir le même effet qu'un fond de teint. Là je suis maquillée, donc bien évidemment que j'ai la peau qui est beaucoup plus lignifiée. Vous voyez, mais je l'ai appliqué dessous et moi j'applique que ça quoi, enfin, c'est juste top. Dites-moi en commentaire si vous voulez avoir une vidéo sur ma routine vraiment soin, ce que j'applique, dont ça, parce que je viens de vous le dire. Mais dites-moi si ça vous plairait de voir une vidéo comme ça sur ma chaîne. Enfin en tout cas, ce truc c'est juste top, 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 top. Du coup, on va finir avec la partie random. Je suis désolée si la vidéo part un peu dans tous les sens, mais le fait d'être malade, en fait, j'ai mal à la tête et du coup, je pense à plein de choses en même temps. Donc, je suis désolée déjà pour ça. Du coup, partie random, je me suis acheté 2 coques pour mon iPhone. C'était à l'aéroport, en fait, quand je suis revenue de Lisbonne, parce que je suis partie à Lisbonne avec ma maman. Et en fait, il y avait un magasin qui s'appelle Aléop, donc qui est représenté par une petite vache, comme ça. Et ça s'écrit comme ça, ça veut bien faire le focus, oui. Et du coup, je trouvais ça super sympa, parce qu'en plus, j'ai payé ça juste 5€, alors qu'une coque, ça vaut souvent assez cher. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'en fait, elles sont en silicone. Donc là, c'est celle-là que j'ai sur mon iPhone, donc il y a marqué Coffee, Muffin, Wi-Fi, et j'ai trouvé les petites illustrations super jolies. Je vais vous montrer tout de suite comment elles sont. Elles sont en fait très maniables. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez des petits chapeaux en fait qui vous permettent de protéger votre prise jack et la prise de chargeur en fait, pour pas qu'il y ait des petites choses en fait qui peuvent rentrer, parce que moi je sais que vu que dans mon sac c'est le bazar, ben il y a je sais pas un petit bout de papier, j'en sais rien, des saletés ou quoi qui peuvent rentrer, là pas du tout. Et je l'ai trouvée super mignonne, donc j'ai pris celle-ci, je vais la remettre, hop, et j'ai pris celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc là je pourrais pas vous traduire parce que ben c'est en portugais, donc voilà. Je sais que, je crois en fait, je sais pas, je sais, qu'il livre en France, donc si vous avez envie de vous en prendre, allez sur le site, je vous le mettrai en barre d'informations. Et celle-ci, elle est trop belle aussi, j'adore avec le petit donut, je trouve trop belle. Du coup, je regrette pas du tout mon petit achat de coque, parce que ça fait tellement longtemps que je voulais m'acheter une coque, la mienne elle était complètement fissurée, du coup, c'est top. Toujours chez Aléop. Ça, c'est ma mère qui a voulu acheter ça. Je me suis dit, non, encore un gadget. Alors, c'est un petit gant de massage. La vendeuse nous l'a testé, en fait, sur le dos quand on était à la caisse. Et ma mère avait déjà vu ça dans les rayons. Sauf qu'elle s'est dit, bon, 9€, on va pas l'acheter. Sauf que ben là, c'était en promotion à 5€. Et en fait, c'est juste le fun, ce truc. C'est trop bien. Vous le passez dans le dos, sur les jambes. C'est... comme ça détend, c'est un truc de fou. Enfin, moi j'adore quoi. Je dis à Charlie des fois de me le faire. Bon, il a pas trop envie parce que je préfère que je lui fasse moi, forcément. Mais j'adore. Enfin, franchement, c'est un petit gadget qui est plutôt efficace. Et pour finir avec ce haul, et après j'arrête de vous saouler, je vous avais parlé dans un vlog de ça. En fait, c'est donc des magazines, ça s'appelle As You Like. J'ai découvert ça en fait quand on est parti en Corse et quand on est allé faire les courses pour le bateau. C'est le meilleur des blogs et des influenceurs. Donc je sais pas quand c'est que c'est sorti exactement, parce que là c'était le numéro 11 et c'était celui de septembre. Mais en fait j'ai trouvé ça super parce que il y avait pas mal de blogueuses et de youtubeuses que je connaissais pas et que j'ai connues grâce à ce livre. Vous avez bon bien évidemment des pubs, vous avez déjà un petit agenda en fait pour chaque mois. Donc là c'est sur le mois de septembre, je vais vous montrer le mois d'octobre. Enfin, les designs sont super jolis quoi. Enfin, moi je les trouve beaux. Donc ça c'est plutôt cool. Après vous avez ben, des petites sélections aussi pour aller à tel endroit par rapport à tel événement. Vous avez également des livres. Vous avez des... ah, je vais y arriver. Je vais bien trouver la page. Les dernières tendances, donc des palettes, des parfums, des sacs, des vêtements. Enfin non, il y a pas mal de choses, je trouve ça vraiment très bien fait.
et il y avait une partie déco, et vous avez vraiment des belles découvertes de youtubeuses ou de blogueuses. Donc je vous remontre d'un peu plus près, ça s'appelle As You Like, et c'est vraiment super. En plus ça coûte que 3€. Souvent vous avez des magazines qui sont relativement chers, bon là 3€ je trouvais ça quand même abordable. Et du coup, super découverte, je suis vraiment contente. Dites-moi si, enfin, il y a plein de choses que vous me disiez en commentaire, si vous connaissez ça et si vous aimez, si vous aimez pas. Moi, en tout cas, j'adore. Du coup, j'en ai fini pour ce haul, j'arrête de vous saouler. Dites-moi si vous a plu, je suis encore désolée, hein, le fait de ma voix d'être malade, qu'il soit parti un peu dans tous les sens ce haul. En tout cas j'avais envie de vous montrer tout ce que j'avais fait comme achat récemment. J'ai d'autres hauls qui vont arriver rapidement parce que, on peut le dire, j'ai craqué, mais j'ai vraiment craqué à Lisbonne et à Paris, j'ai acheté plein de trucs niveau fringues. Je sais pas trop si je vais vous faire... un autre haul. Je pense que je vais vous faire un haul avec Charlie aussi, parce que Charlie c'est pas mal acheter de vêtements, et ça peut être cool aussi de faire un haul en couple. Et je sais pas, parce que j'ai beaucoup acheté de vêtements aussi à Pinky. Du coup je pense que je vais vous faire un haul vraiment que Pinky, et je vais vous faire des lookbooks aussi. J'ai tellement plein d'idées en fait depuis que je suis à la maison, que j'ai trop d'idées de vidéos, j'ai plein de trucs à vous faire. Du coup je pense que je vais vous faire les hauls quand même si c'est un peu à l'affilée, mais j'ai tellement envie de vous montrer en fait tout ce que j'ai acheté, parce que j'ai acheté beaucoup, ça on peut le dire. Et du coup voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo sera pas trop brouillon, qu'elle vous aura plu malgré tout, et puis on se retrouve la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.